Salut à tous et à toutes, c'est Ashkomat, nous voici aujourd'hui sur GTA V pour une vidéo très spéciale pour le coup du siècle. Donc c'est une mission de GTA V. Donc j'interdis à toutes les personnes, enfin j'interdis obligatoirement, après vous êtes pas obligé de, enfin vous êtes obligé, vous êtes pas obligé, donc voilà, je vous le dis juste. Pour les personnes qui comment GTA V, ne regardez pas cette vidéo parce que ça va vous spoiler la mission. Pour les personnes qui sont à 60%, 50%, 40%, laissez tomber. Si vous êtes à 70%, car c'est une mission de 75% environ, 73% 5, ou... Enfin voilà. Attendez, je vais juste regarder au cas où. Non, c'est pas le temps. Statistiques. C'est pas le temps, on s'en fout. Bon, c'est pas grave. Moi, je vous dis juste que, voilà. Si vous entendez comme ça que je suis en train de manger quelque chose, c'est pas... Ne vous inquiétez pas, car je viens de rentrer dans l'entretien d'embauche là pour du travail. Et donc j'ai pas mangé le matin, donc ça va. Voilà, c'était juste pour vous dire que si vous entendez un petit truc, c'est pas grave. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc je vais commencer la mission et je vous réserve une petite surprise à la fin pour les gauntlets, enfin les véhicules là, les genres de Dodge. Je vais vous montrer mes couleurs que j'ai prédéfinies pour les trois voitures. Et donc je pense que vous allez rigoler ou je sais pas. C'est une petite surprise, je vous en dis pas en plus. C'est parti. Setting these guys up for a fall, huh? Is that what this is about? If they're the diversion, maybe it makes sense. This whole treachery thing is new to me. Don't listen to this asshole. It's all good. No one is being set up. I've heard that before. Shut it, Trevor. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. Magnifique. Presque. Eh oui, c'est bien. C'est pas grave. On va faire un tour par là. 300 mètres. Ok, donc je vous dis, j'ai jamais fait cette... Attends. J'ai jamais fait cette mission-là, je ne la connais pas du tout. Si je me foire, bah c'est pas grave. Hein. De toute façon, toutes les... Ah merde, il y a du temps, j'avais pas vu. Toutes les missions que j'ai faites auparavant, bah je me suis merdé, hein, bien sûr. Donc ok, il faut se mettre là. Ok. Alright, les trucks aren't here yet, let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. Alright, here we go. This is it. Alright, alright. See the bands. Rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Seriously? Let's go. Drop the stinger. D'accord, maintenant j'accélère. Now keep driving, they should go over it. Boum. Ah, c'est con. Ça va te muscler, je le sens. Merde, je reprends. Si je reprends de la véhicule, ça va pas le faire. Allez, vas-y, sors. Sors-toi. Allez, vas-y. Oh shit, your move, buddy. No, 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 no. Get a fucking move on. Come on, move. C'est qui? Ah ok. Je suis en stress mais pas possible. Ils ont même pas de masque les mecs, n'importe quoi. Ça va pas que je roule sur la R, heureusement qu'il n'y en a pas. Ok, il y a le camion derrière. Putain, j'aime bien les trucs comme ça où on peut braquer et tout, c'est super... C'est super anticipé, il y a plein de trucs et tout, c'est... J'aime bien les genres de petites mises en scène et tout, c'est pas mal. Enfin, je l'ai jamais fait, hein, je vous dis en direct. Ouais. C'est à gauche. Sur un mec là. Oignon 86, ça m'a fait rigoler comme. Hey, I was expecting you like half minute ago. Here you go. Gets me every time. Oignon 86 in the building. Parti. Eggplant 22 inside. Oh, bien, j'ai une 22, ah, d'accord. C'est la première.
Allez, c'est parti, fais ton demi-tour là. Ça, si c'est aussi facile. Non, je pense pas, je pense qu'il y aura une merde à la fin. Ah ouais, je sens, il va se passer un truc de merde là. Surtout très haut, il a une tête. Pardon. Ok, lui il va pas passer. Good. Access okay. Is good. Courtesy escort is go. Take us to it. Follow me. J'espère qu'il va y avoir du monde parce que. Enfin il y aura des lingots d'or parce que là je suis à Salade, je suis à 31 000. Trevor il est à 188 000. Et Franklin il est plus qu'à 380 000 je crois. Je suis pas sûr. C'est super stressé là, c'est sûr. How about the freeway is an absolute B star star CH today? Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks bored out of your mind staring at more money than you know what to do with. Okay. Bien sûr, c'est un ripoule l'autre aussi, là. Je le sens bien là. On va tous se friter tous ensemble, ça fait un truc bien ouf. J'imagine le truc. Putain, j'aime pas les maisons où je connais pas ce qui va se passer. Okay. Ça a l'air pas très bien garni pour plein de lingots d'or quand même. En soi, y'a rien derrière. Ok. D'accord. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément, effectivement. There is a lot of gold in here. We're just holding on to it for the Chinese. Now, we ever want to keep it in the United States? Sure, take what you can carry. Flag de merde. Hey, come on, we gotta sketch again. Non, n'oublie pas, tu vas faire pousser ça. Ah non, je sais. Je sais qu'il y a plein d'interactions depuis hier, mais bon. Genre l'espèce de code où. Ah non, je vais pas mettre vous spoiler tout ça, mais. Je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite. Les interactions qu'il y a entre l'émission, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ça change de GTA 4. Allez, rentre, mon gars. Get many jobs after this? No, it's the last one. He's retiring. Exploring other opportunities. Hey, you know, your chance of an early death increases dramatically when you retire. Yeah, I'll bear that in mind. Pour l'instant, il n'y a pas. Ouf. Je trouve que ça va partir en feu. Get her on board! Alright, come on, let's not take up any more of this gentleman's time than we have to. That's it! Let's go! Hey, I'm not feeling so well, and hey, I come on, just, Casey, you know, suck it up! You can't handle the hangover, Case. Do not overindulge. That's right, this man right here will teach you a little something about. Ouais, c'est moi ça, je suis en train d'attendre comme un con. Mais. Tellement en panique là que. Ah, vas-y, monte toi. Je te suis mon gars. Ok.
Et en fait, c'est des faux lingots d'or. Je rigole, j'ai pas du tout. J'imagine un truc bien merdique. Putain, j'ai un chat dans les mots, je suis après. Mais putain, gars. C'est dur de lire. Ça, c'est super chiant. C'est vu que c'est pas en français, il faut lire, il faut regarder la route. Merde, c'est bon. Il est où, d'accord, il est là. Okay, the link's active. Now you can control the traffic lights. Let's go. Good luck. Hey, we got it. Hey, this just seemed easy enough. Oh, j'aime pas les trucs là. Alors, faut faire quoi? Dégager la route. Oh putain, j'aime pas les trucs là. Je comprends déjà. Hein? Ah oui, d'accord, je comprenais pas. Au lieu d'être un Trevor, donc comme ça, je sais pas si ils vont tout droit ou quoi. Ok. Et de value. Ah, d'accord, lui c'est un okay. Donc ça, je bouge. Ensuite vert. Et après, bon. Ah, d'accord, il tourne à droite direct automatiquement. Clique comme ça. Ça dépend, ça rechange entre temps ou pas. Ah, ok, il y a Mary Rover. Oh putain, c'est chaud ça. Donc ça pour eux. Ça pour eux. Ça pour eux. Oh, le truc bien ouf. Allez, vas-y, mon gars. Ok, ça c'est bon. Ensuite, oui, je le mets comme ça. D'accord, on a plusieurs qui arrivent à chaque fois, ok. Oui, bah. Putain, il y a un autre qui arrive là. Non. Bon, je vais faire ça. Ça. Putain. Mais non, c'est bon. Oh, le truc de fou. Ok. Ouais. Regardez bien les voitures, je les ai mis en quelle couleur. Là, c'est franchement une grosse dédicace. Hein. You guys, redistribute the weight. Here they are. Hey, good work, Captain. It's parti. Damn, I can't believe we got them left. Damn right, all without firing a bullet. Ah, don't forget our pace here, huh? So that ain't gonna be wasted. Please don't. No, wait. Biggest score of our lives. We ain't taking any chances. Sorry, pally. Well, it ain't a chance. Please, please. In on it. Huh? Get up. Hey, get up. You tell them something that ain't on the news already. C'est sûr qu'il va pas dire non plus. Hein. Alain Godeur, je sais pas si on vaut combien, mais au moins 3. Bon, moi je dirais 300 millions, mais je suis pas sûr. Encore en train de s'engueuler, eux. Oh putain, encore eux. Ok, bon, ça tient à tous les côtés, ça fait un truc bien. Donc. On est à droite là-haut. Allez, vas-y. Bien sûr, il y a un autre qui arrive. Ah, c'est bon. Oh, ils ont peu comme arme. Oh, attends, moi je me mets en gros. Manger les mecs. Bordel. Ah, it was going so sweet. I slap. I'm stay on the front, man. You guys take the fight. Fuck off already. Merde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de morfler? D'accord.
Oh, oh là là, il y a du monde, putain. Oh, mais attendez, c'est quoi le bordel là? Mais il nous en sert de tous les côtés, c'est quoi ça? Allez, mais change de personnage. Ça c'est super chiant comme truc. C'est vraiment de la merde. Il est super bien caché, lui aussi. Putain, mais il nous en sert de tous les côtés, les trucs de ouf. Je suis sûr que ça allait faire tous les côtés. On aveugle. Putain, mais il y a trop de monde là. C'est impossible. Putain, c'est quoi l'arme de merde que j'ai là? Ça cache tout, moi. Je suis un fou, moi. Putain, la vie, comment elle baisse. Elle vit, vite. Putain. Trop de monde, c'est quoi tout ça là? Cassez-vous! Non, Franklin, Franklin! Ça, c'est vraiment des armes de merde tout le monde! Mais tire là, mais le mec il est à côté de toi, putain! Ah putain de merde, ça me gonfle ça! Le mec il vise, mais le mec il est à côté de toi, mais il vise à côté! Ça c'est super. Eh ben on essaye. De toute façon j'étais sûr que ça allait se foirer. Généralement toutes les missions que je fais, ça se foire. J'espère qu'il faudra pas non plus reconstruire depuis tout à l'heure. Enfin depuis... Ah bah si, bah, tiens. Ça c'est magnifique. On va foirer la mission, ça va être magnifique. Bon, on va aller plus vite, on fait ça. Là, on va chercher. Hey, they got backup. On the left, look out. I'll hold the front. You dudes take the side. Hey, get in the score. Allez, Michael, peut pas se débrouiller tout seul, putain. Allez. Ça rentre très bien, mais pas possible. Casse-toi de là mon gars, tu vas crever. Mais vraiment tous les côtés. Putain mais... Oh ça me gonfle ça que... Putain, il va crever. Mais... Putain mais... Ah mais putain, ils sont vraiment tous les côtés hein, c'est n'importe quoi ça. Il n'y a même pas de plan super. Viens, recherche ta vie, quoi. Ah, c'est un véhicule, ça. Allez, mais change d'arme, mon gars. Mais non, mais... Oh, là. Oh, c'est fini, là, c'est merde. Salut, mon gars. Putain, il a plus de vie, mon gars. Allez, bon, alors il crève quand ce mec là? Bon, ça ira plus vite en tout ça. Ah bah là, il crève pas le mec. Et ben enfin!
De toute façon, j'en étais sûr sur un des. Sur toutes les missions, généralement, je l'ai fort. Donc, enfin, je l'ai fort, mais je l'ai réussi, comme j'insiste. Je persévère. Allez, cassez-vous, là. Je suis qualifié pour venir. Ah, j'espère qu'ils vont être dans l'ordre des voitures. J'ai fait un truc exprès, là. Je sais pas si vous voyez déjà bien, là. Ouais, allez, 5 étoiles, allez, vas-y, on est des fous. J'ai la voiture rouge, c'est cool. Donc ça fait... Non, c'est pas la grise, hein. C'est la bleue. Blanc. Et je serai derrière la grise, ça fait rouge. Ça fait blanc rouge de la France. Ouais, dédicace à la France. 5 étoiles, c'est magnifique, ça. Déjà, 4 étoiles, c'est super dur à s'en débarrasser. Alors, 5 étoiles... C'est bon, vous. À moins que Lester, il gère les feux, peut-être. Je sais pas. Putain, je les ai mis à fond, mais on dirait qu'ils avancent pas, les voitures. Oh, attends. Oh, oh, le truc de fou. Je sais pas quoi ils font pour être super collé. Déjà, moi, quand je suis collé, généralement, ça marche pas. Ça part en couille, attends, voilà. On prend le saut. Oh joli. Ah c'est vrai, il y a encore les... Oh putain. Après il y a encore les trucs de Franklin et Trevor, les... Mais moi je n'utilise jamais les compétences spéciales, la spéciale. Tant que je perds le convoi de voiture, ce serait dommage. C'est-à-dire, j'ai sûr que ça va être tendu de me débarrasser. Ça te promet. On voit qu'ils sont blindés à 100%. Ah d'accord, ok. Il faut que j'aille où, moi. Faut que j'aille à droite, non. Ouais, faut que j'aille à droite. Allez, avance. Oh, c'est chaud. Merde, c'est super chaud. Bah oui, mais ça... Putain de merde, mais c'est super tendu. Ils font des trucs, mais c'est de la merde. Putain, ça me gonfle, ça. C'est les missions, des fois, c'est impossible. Je vais merdouiller pendant 3-4 fois, là, j'en suis sûr. Putain, ça me gonfle, ça. Le temps de chargement, il est 3 heures, en plus. Putain, et puis en plus, on range de là, mais bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, mais avance la caisse, toi, elle est modifiée à 100%. Ah non, pas celle-là, je crois. La grise, elle est pas modifiée, je crois. Je crois que c'est les trois couleurs que j'ai mises, mais pas celle-là. Ça bouge. Mais casse-toi, toi, bannule de merde. Là, je suis super vénère. C'est pas la route là qu'on a pris tout à l'heure. J'ai pas vu ce qu'on avait pris. Ah si, c'est la route là, je crois. On fait à gauche. Putain, le premier, j'en suis, je l'avais fait parfait, j'avais plus qu'à rentrer le truc dedans, mais là, je vais me merder encore une fois. Putain, c'est une galère là, mais pas possible. Putain, c'est quoi lui? Bah bien sûr. Putain, quel boulet là. Mais c'est bon, j'arrive, c'est bon, 30 secondes. Ton pote là qui m'a viré. Ah putain, quelle idée de prendre cette bagnole aussi. Elle tient pas la route cette bagnole. J'espère que ça va aller là, putain. C'est déjà chiant. Maintenant je sais que c'est le troisième qu'il faut prendre. Enfin le deuxième. Je suis la voiture de ça. Bah regarde, en plus le camion il... Allez, avance.
Mais putain de bagnole de merde, ça me gonfle, ça, allez, rentre dedans. Putain, ça me saoule. C'est les interactions, des fois, c'est de la merde, mais c'est pas possible. C'est impossible. Ah, puis genre, je dis même pas qu'il y a deux gros camions qui passent, c'est n'importe quoi, ça. Sont doués, ces flics. Alors, dans le multi, ils sont super tenaces, alors que là, ils sont vraiment biteux. Zen. Ah, je m'énerve beaucoup. Je m'énerve assez rapidement. Je suis impatient comme mec, c'est normal. Bon, moi, je réussis l'émission. Normalement, on peut les passer, l'émission, mais là, je les passe pas. Si j'ai regardé, normalement, à droite, j'ai 180 millions. Je crois, je suis pas sûr, mais... C'est énorme, 180 millions. Allez, chez Michael, ok. D'accord, déjà, c'est le fort de route. Alors, marquez quoi que vous avez... 25%. Yepper, hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T, have a little faith. Faith in you, buddy? Je pense que ça va nous rapporter beaucoup, ça. En général, les missions qu'on fait, c'est que les 30 premières missions, on gagne rien du tout parce que c'est la confiance de l'équipe, la confiance de Michael, la confiance de Franklin, de Trevor. Après, vous gagnez seulement. Donc, au début, je voulais personnaliser carrément toutes les autres voitures, mais je pouvais pas parce que j'avais pas assez de sous. Seulement à partir de quelques missions. Putain, c'est pas un pick-up, c'est un canon, c'est pas un détecteur. With a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores. Au début, je voulais pas faire une vidéo là pour vous montrer la mission, mais comme j'avais personnalisé les voitures spéciaux, enfin, je l'ai fait, j'ai parlé super fort là. Enfin, j'arriverai au bout des 30 minutes, de toute façon, c'est que de la route, donc je pense pas que ce sera super super génial de voir. Donc n'hésitez pas à toutes mes vidéos de vous abonner, déjà, premièrement, bon, c'est pas obligatoire, mais bon, je vous le dis quand même. Donc de vous abonner, de liker, de partager ma page Facebook, parce qu'en fait sur ma page Facebook je mets toutes les photos insolites que je trouve, ou des photos exclusives ou avec des bugs ou que je trouve sur GTA 5. Donc n'hésitez pas à aller voir les photos et mettre des j'aime et des commentaires. Donc c'est voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des commentaires. Donc à partir de cette vidéo là que je mettrai ce soir ou demain matin, elle sera mise dessus, j'aimerais faire passer à tout le monde, enfin à toutes les personnes qui regardent les vidéos, si vous voyez, enfin vous est-ce que je vous attends, quand je vais vous parler de ça, est-ce que vous trouvez que toutes mes vidéos sont de bonne qualité? Je sais qu'elles sont un peu, on va dire qu'elles sont moyenne qualité, ça va, elles sont pas non plus trop faibles, mais ça va encore, c'est pas non plus énorme. 900 mètres, il me reste encore 1 minute 30. Bien sûr, c'est bah, c'est bon, j'ai perdu déjà 30 secondes là. Donc voilà, vous me le dites par commentaire si vous trouvez mes vidéos, on va dire moyenne, voire bien. Donc n'hésitez pas à laisser de commentaires. Donc voilà, je peux non plus parler de ça pendant 3 heures, mais voilà. Oh, joli. Merde, c'était pas où? D'accord, c'était pas où. 29 minutes, j'espère. Allez, mais casse-toi ta bagnole de merde, la PNJ de merde. Putain, mais depuis de la mise à jour 1.12, ils sont vraiment bités, ces mecs en. Alors, c'est pas là, c'est tout sur la droite. Il y a un truc qui. Enfin, je parle en gros sur les patchs de Rockstar. C'est, franchement, ça c'est vraiment de la merde. C'est, ils ont patché le camp de pompiers. Tu peux plus lancer de l'eau avec le camp de pompiers. Donc ça, c'est, là je trouve que c'est vraiment de la merde, hein. Parce que normalement on pouvait s'amuser avec, on peut même plus s'amuser. Ça c'est vraiment de la merde. Et le bug du parking, bah il a été patché aussi.
Enfin, non, il n'a pas été patché, mais ils ont mis un truc devant. Voilà. Allez, salut!